Calme plat hein, aujourd'hui. Ajax, Ajax, tu me reçois? Oui, là, on est rentré. C'est réparé ou pas? À tout à l'heure, merci. La permanence pour assurer le suivi des bateaux, savoir où ils sont, savoir. Puis éventuellement, s'il y a une prise, on a fait trois avant-hier, hier rien, et aujourd'hui peut-être, on verra. Ils vous donnent carrément leur position en mer, hein, dès qu'ils sont arrivés au village. Ça marche pas, il va tout essayer, hein, allez, avance. On est possédé du monde. On a tout fait, il n'y a rien à faire. Rien, ça va. C'est la poisse. Oui, que je sache, il n'y a pas eu de. Mais il y a eu quand même du poisson qui s'est vu, mais il n'a pas piqué. Il n'a pas piqué. Le problème, il est là. Mais il piquera mieux demain. Hein? Il piquera mieux demain. Il faut être plus têtu que lui. Hein? Le moteur est réparé. C'est bon jeu, ça. Mais remarquez, hier j'en avais 12, j'ai attaqué la pêche, il était 8h. J'ai levé à 5h30, j'avais encore 2 caisses. Que le ciel nous soit plus favorable. Ah oui, il faut quand même prendre les appâts si on veut prendre du thon. Hein. Condition, c'est des poissons. Sans appâts, pas de poisson. Et le règlement exige qu'on ne dépasse pas 70 kg d'appâts de sardines. Vive ma belle sardine. Là, si elle est belle cette sardine. Hein. Et oh. Tu ne mords pas avec ça. Hein. Oh là 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 là. Ah, Celle-là. Il m'a donné que de la fraîche. Hein. Ah ben elle a été prise certainement hier du côté elle vient du golfe du Lion. Elle a été prise hier, elle est fraîche, elle n'a pas été congelée. Golfe du Lion. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Trouver le bon endroit, on connaît les endroits, c'est. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va aller pêcher. Je pense aujourd'hui, on va pêcher au mouillage, c'est-à-dire arrêter. On n'a pas le droit de pêcher au mouillage quand on n'est pas en concours. Ensuite, on pêche en dérive. Le thon, quand il va à la touche, il va prendre tout le fil. Il va prendre peut-être 500-600 mètres de fil. C'est du 130 livres. Ça fait environ 120 centièmes. Enfin, il y en a. Il y en a du 100 centièmes qui fait 130 livres. 130 livres, ça doit faire 60 kg. Le point de rupture est à 60 kg, 59 kg exactement. Et c'est là toute la technique. Il faut lâcher le thon, revenir, mais pas trop freiner. Parce que si vous freinez trop, ben vous cassez, il n'y a pas de problème si vous dépassez le point de rupture du fil. Et puis nous, c'est la plus sportive quand même. Et évitez que le poisson passe sous le bateau. Sinon, c'est foutu. Attends, hé! Là! Oui! Oui! Et voilà!
vingtaine de milles, quoi. Ça fait une heure, en gros, on sera sur le lieu. Alors, étant donné qu'on est bateau contrôle, si vous voulez, nous, on va se mettre en dérive, on va pêcher en attendant l'événement. On va se mettre au voyage, je trouve, avant. Dès qu'on est trop vite. Ah, comme tu veux. Allez, attention du pied, Pierrot. Voilà, et ben maintenant, il ne faut plus que je jette les sardines et attendre, c'est bon. Terminé. Si ça pique, on balance tout à la mer, là. Et on le récupère à la fin du combat. Non, là, je prépare les belles sardines pour vous mettre à la moussaka. Brumégé. Déjà, tu fais une connerie, là. Tu commences... Ah, mais il n'y a que des fraîches. C'est parti. Quelle chance. Il n'y en a qu'une de congelée, là. Tiens, tire. Encore. Elles ont été pêchées il y a pas longtemps, c'est vrai. Ça devrait passer. D'accord. C'est bon. Gardien de carnet. C'est bon. Voilà, on t'a mis une. Avec le dos brillant. De ce côté-là. Qui inverse après l'autre côté. Le brillant de ce côté. Voilà, pas. Attends, de l'autre côté, Albert, regarde là où comment c'est fait. Voilà. Hé, hey, tu m'en piques à moi. Il faut bien piquer ça, quoi. Bon. T'as balancé avant de savoir s'il fallait mettre un gros petit. Vas-y, jette. Voilà, je reste. Jette. Alors, comment je la mets celle-là? On s'en fout, balance pour voir si. Attends. La première là-bas, loin. 60 mètres, 50 mètres. 50 mètres. Bon, il va bien le flot, allez, balance. Moi, je les mets par l'œil parce que c'est pire. Oui. Qui a vu que c'est pas? Mais c'est le même que ça, ouais. Ouais, mais d'un côté, c'est le même coup de l'autre. Ah oui, je sais pas. Sacrée machine, là. Donc, on sent que le thon est là. On coupe un petit morceau, de façon que les appâts soient gros au milieu des petits bouts de sardines. Voilà. Sans qu'ils planchent sur les appâts. Tu vas sur l'appât. Souvent, on les jette là, on peut les jeter entiers. Hein. Oui, il y en a. Hein. Après que ce soit celui d'hier. Stéphaline qui a cassé sur un requin. Un petit requin. Ça craque, ça. Ah, il faut savoir aller jeter les sardines. Hein. Il faut leur faire faire une pirouette comme ça. Là. Là, ça attire les thons. Il y en a plusieurs. Et tu as mis deux plombs? Un. Je ne t'écoute pas. Tais-toi! Oui. Il n'est pas abîmé. C'est bon signe. Bon. Tu laisses le plomb, Guy? Oui, oui. Et? Voilà. Enlève ou quoi? Je sais pas. Moi, je l'enlève, oui. Pour pas qu'il crève. Tu l'en as à 15 mètres, là, et c'est bon.
Ça c'est toi, t'as que le poisson qui bouge. Hein. Plus facilement, quoi. Il a le choix. Le thon a le choix, là. Voilà. Il s'est toujours pêché en Méditerranée, le thon. Mais la pêche sportive a été découverte vers 1978, comme ça. Et c'était un pied noir, d'ailleurs, qui venait d'Algérie, là. Et qui a lancé ça, c'est parti de Valras. Mais alors, c'était à l'époque où il y avait du thon, où il y avait du poisson. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Et autrement, en concours comme ça, on les vend bien sûr aux marailleurs. Et puis le produit de toute cette vente, de tous les clubs, est réuni et puis est remis au professeur Pujol, la Ligue contre le cancer à Montpellier. Et nous ne sommes pas professionnels, nous avons droit de vendre les thons. Alors on vend les thons qu'à cette condition. On n'a pas le droit de prendre de bénéfices sur le thon. Et puis d'ailleurs, s'il y en a qui s'amusent à vendre un thon, parce que c'est arrivé quand même que les plaisanciers pour rentrer dans leur fait vendre un thon, mais alors là, c'est très grave parce qu'on risque de leur confisquer le bateau et tout. Hein. C'est déjà arrivé. Là, il faut faire attention. Jean-Pierre, il était gros. Ah. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a quelque chose qui a bourré là. Allez. Monte, pose-la là-bas. Viens là, viens là, viens de l'autre côté. De l'autre côté, tout le monde, merde. Allez, viens le monter, lâche le mouillage. Va lâcher le mouillage, Albert, laisse-le ça. Mais non, je ne peux pas être là-bas, ici. Il n'y a plus de crème. Putain. Il n'y a plus de crème, culé, tu ne peux pas être. Oh, c'est Dieu. Mais là, ta canne qui roule, laisse tomber les autres. Allez, vas-y, enlève la canne vite, Albert. Il est gros, hein. C'est qui, les guides? Mais les gars, enlève la montre pour le crème. Laisse-la la montre. Allez, Albert, dépêche-toi. Attends, il tire trop, hein? On ne peut pas la prendre. Allez, c'est moi, chérie. Calme-toi, les pieds. Prêt, il ne faut pas se dégonfler, là, hein? Un. On peut? Non. On ne peut pas. Il ne faut pas. Il tire trop. Allez, là. Là. Hop. C'est bon. Là. Allez, Albert. Stop. Pompe, il range le crin, hein, Albert? Ouais. Il a les mousquetons, ils ont mis les mousquetons. Pompe. Attends. Ils ont mis les mousquetons. Oui. Il est pas allé dans le mouillage, c'est ça, on va dire. Okay. Arrange le crin. Il y est. Je ne sais pas ce qui se passe. Vas-y. Je l'ai pressé. Aïe. Il y est? Non. Attends, je ne sens pas. Il vient, il monte peut-être. Pompe. Aïe. Il y est ou il n'y est pas? Il a décroché? Il a décroché. Il a cassé. Allez. Stop. Il a cassé. Oh. Il a cassé. Oui, bien. Gracias.
Ah oui. Bon du but. Et la double ligne qui est bien pétée. La double ligne. Il a coupé, lui. Il a coupé le bas de ligne. Hein. Il a cassé loin. Il a cassé à double, il a cassé 11-12 mètres. Oui, mais quand il a cassé loin, quand tu étais en avant tout, il y avait le moulinet. Oh, j'ai vu, quand tu travailles, tu le ramènes comme ça. Là, je ne ramenais plus rien. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Le nœud, il s'est défait. Le nœud, il s'est défait. Il ne s'est pas défait, le nœud. Il s'est coupé après le nœud, tu as vu? Il s'est coupé après, à la sortie du nœud. Oui, Héros lève le mouillage et rentre. Bien compris, Héros, merci. Bateau, s'il vous plaît. Ajax, comme le cavalier. Le personnage, oui. Comme le cavalier l'Antiquité. Pour la guerre de Troie. Voilà, tout à fait. Après avoir vu le poisson, on a eu le père comme ça, si près du bateau. Et l'avoir cassé après, c'est désastreux. Il faut qu'on ramène le poisson parce que sinon j'abandonne la pêche. Mais tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Hein. Buto. Plus vite. Demain ça peut passer, mais pour mardi. Mardi, d'accord. Mardi, on a gravé. D'accord. Gros orage. Oui, orage et donc coup de vague. Et coup de vague. Voilà. D'accord. Pas aujourd'hui. D'accord, piquer un bon poisson. La panière à poisson. Là, on est bien équipé. N'oublie pas le plan. Tu le sais là. Tu le veux, Pilo? Oui. Attends, tout le temps vers là. Bah. Oh putain! Allez! Oui, Kilou, je te reçois. C'est toi qui est dans mon tribo là! Ah, je te vois pas, hein? Je vais passer devant toi là! Ouais, il va passer devant moi, Louis. Il y a le méridien qui est en combat, donc le tombe-souris là. A gaffé son ton, il a le ton à bord, le méridien qui était à côté dans le combat. Alors on remonte les cannes, on remonte le mouillage, on remonte tout. Non, non le mouillage, on ne remonte pas. Mais je te l'ai contacté le poisson parce qu'avec toutes les misères qu'il a eues cette année là, c'est pas possible. Il faut qu'il ait un poisson. Ça peut durer deux heures comme ça. Hein. On s'est calmé. Oh putain, c'est le délicieux la canne. Oh putain, c'est le délicieux de fou. Aïe. Oh là là. Là, il doit être nerveux sur un poisson. Il l'a, oui. Oh, les coups de tête. On la voit. Regarde la canne. Là, il a pompé dur. Hein. Oh putain. Le poisson, il est derrière, carrément. Hein. Oh, regarde la canne. Toi. Tu pompes doucement et tu lâches doucement et tu moulines. Antonio! Et t'es à la place toi, hein? Donne-nous les sardines, Pierrot, tu pêches pas. On va y aller. Il y en a assez pour le pêcher, on va y aller. J'avais, regarde, j'avais mis le cimbel quand on marchait un peu la vave. Non, non, non. Ça se passe. Allez, félicitations! Allez. Ciao! 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 Aïe! Il y a deux autres tombes qui arrivent ce soir. Hein.
119, on l'a émis à 120, c'est bon. Alors, en 10 minutes, on avait mis le bas de ligne à bord, mais après, il s'est bagarré comme un dur. Hein. Il m'a sorti la gaffe des mains. Et il est reparti à la mer avec la gaffe. Heureusement qu'elle était amarrée sans qu'on le perde. Et il a cassé le bas de ligne au moment du gaffage. Il était tenu que par la gaffe. Un poisson magnifique. Il est très vite monté. Alors après, il s'est bagarré comme un diable. Ah oui, c'était un poisson formidable. Il est plus gros que celui de Louis. 157-500. Et vous les avez tous achetés au même endroit. Non mais c'est ce soir. Ce soir, oui. On va faire les 4 heures avec. Tu vois là où il y a de l'os, il faut le couper comme ça. Ah d'accord. Oui, ben là ce challenge est terminé. Avec 3 poissons seulement, c'est quand même une déception parce qu'en 4 jours on est sorti. 4 jours, c'est rare de pouvoir sortir 4 jours d'affilée comme ça. Hein. Et on espérait quand même beaucoup plus de poissons. Hélas, bon, il n'y a eu que 3 poissons. Alors on a des coupes souvenirs et en plus un petit cadeau quand même en plus pour les 3 vainqueurs. Mais ces poissons qu'on attrape là, ils font 160 kg. Ils sont vraiment vifs hein, parce que les 200-250 kg, ils sont peut-être un peu cardiaques et ils meurent plus vite. Et on les a plus facilement que les poissons de 160 kg qui ont entre 10 et 15 ans. Quoi. Et le soir, on se retrouve tous, on fait des grillades. Quand il y a du thon, on mange du thon, vous avez assisté à une tonnade. Et quand il n'y a pas de thon, on mange des côtelettes, on mange des saucisses, on mange un peu de tout. Quoi. Voilà. Actuellement, le thon et les thons qui ont été pris hier soir, ils sont en train de macérer dans une sauce vraiment où on a le secret. Ça me d'accord? Nous allons charger ces grilles là. Sur chaque grille, il va en 35-40 morceaux de thon. Si tout se réussit, on doit arriver à faire cuire 120 morceaux de thon. Et il faut 20 minutes pour les faire cuire. Celle-là, t'es pêché ? Celui-là, ouais. Je crois qu'on va encore se faire péter le ventre. 13, 14, 15, 23, 24, ne bouge plus, 25, 26. Allez, vas-y. Voilà. Attention, Albert, attache là-bas, ça flamme. Allez, ici, au dernier. Au dernier. Voilà, c'est bon. Attends. Et il faut bomber, hein. Ouais. Serrez bien. Alors. Quand tu le prends, tu serres bien là, écoute-moi. Zac. D'accord. Et regarde les morceaux où sont partis. T'as vu? Il est bien? Ah oui. C'est le ça tombe. C'est vraiment, si on le manque là, s'il est trop cuit, s'il n'est pas cuit. Là. Il est bien cuit. Hein. Ça c'est le steak de la mer. Hop là. Allez. C'est le meilleur. Bon, attendez, voilà. Tu tournes de l'autre côté, tu t'en vas là-bas. Alors, le mot de la fin, eh bien, tu auras vu ce que c'est qu'une grillade, mon fils. Hein? Il ne faut pas dormir, il faut s'entendre. Hein?